Messieurs, dames, bonjour, Benjamin. Bonjour. Je sais qu'il y a jour, je sais pas si ce sera un bon jour. Non. Bonjour Pierre. C'est le bonjour de fin de vidéo qui sera important. Oui, c'est vrai, le bonjour de 6h du mat. On est sur le troisième volume. Encore un volume. Attention. Je préfère me faire une cicatrice ici que passer la nuit qu'on va passer. Moi, je suis très pressé. Parce que de 1, on va passer une nuit compliquée, mais de 2, je réalise un rêve de plusieurs années. Mais un fantasme. Un fantasme. C'est-à-dire que c'était sur ma bucket list de avant de mourir, tu sais, les top 100 des choses que tu veux faire avant de mourir, c'était numéro 1. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais, c'était numéro 1. Nager avec des dauphins, rencontrer l'amour, piscine à boules. Piscine à boules, c'est 1. Dans quelques secondes dans cette vidéo, cette pièce va s'emplir de boules. On les a, elles sont juste à côté, elles sont arrivées. Allez. Elles sont en guest star. Donc ça fait combien de mecs qui vont rentrer? Tu divises par 2. Il est fort. Des boules. C'est bizarre. Franchement, découper cet extrait, ça peut être très bizarre. Donc, comment ça va se passer? Les boules vont arriver, ça va s'emplir. Donc elles vont débouler. Elles vont débouler, ça c'est très fort. C'est à peu près 1m50, donc ça m'arrivera là, ça t'arrivera là. Il l'avait aussi, oui. Une fois que la pièce sera remplie, on tirera un rideau pour que chacun vive sa nuit. Pourquoi c'est important? Déjà l'intimité. Petit principe d'intimité, même si on est marié et marié. Jamais. Et dans tes paquets de boules, toi t'auras à peu près 20 000 boules et moi j'aurai 20 000 boules à peu près. Donc, 20 000? Ouais, on a quand même 40 000. Et donc, il y aura des petits bonus cachés, des petites boîtes de couleurs. Tiens, tu as un matelas gonflable. Si toi tu la trouves avant moi et que moi je trouve après toi le matelas, je peux plus l'avoir. Donc c'est un espèce de jeu de vitesse à la recherche du trésor. Exactement. Bah voilà, tout est dit. On va pouvoir commencer. Il fait encore jour, donc on va remplir la pièce, on va tirer le rideau et ensuite on va attendre que la nuit tombe pour commencer vraiment la chasse au trésor. Et bah c'est parti, l'équipe va remplir, ça va aller très vite parce que là on a demandé à tous les monteurs et tout de jeter les boules. C'est parti? Ready? Allez! Allez, c'est parti! C'est bon! Oh là là! Oh là là! Il y a combien de sacs comme ça? 89! 29 sacs. Alors j'explique, on va mettre ici devant la porte une structure dure pour qu'on puisse quand même ouvrir la porte pour aller aux toilettes en la passant avec une échelle. Là oui! Là oui! Là oui! Oh mince! Mais je suis tombé! Moi aussi! Oh, mais mince! Je suis tombé! Mais je suis complètement tombé! C'est pas de ma faute! Attends, pardon! Oh mais ça va pas la tête ou quoi? Viens, on la tire de l'échelle. Attends, je vais t'aider. Attends, deux minutes. Elle est où? Mais elle est où, Sophie, là? Elle est où, là? Oh merde! Allez, on a perdu Agathe. Agathe, elle se noie. Agathe, elle se noie. Agathe, elle se noie, là. Attends, je vais aider, je vais aider. Mais non, mais c'est gamin, là. Mais Pierre! Il est où, man? Attends, je vais le pêcher. Je vais le pêcher. C'est hyper violent, en fait. Là, je te fais tort. Ça passe ou pas? C'est injouable. Tu tires sur la gueule de quelqu'un et tu te défends tout seul. Eh, c'est le dernier. C'est le dernier. Oh les schtroumpfs. Oh le Dylan. Attention. Oh il va tenter plongeon. On y est Benjamin. C'est très très physique en fait. Dans quelques minutes on va fermer le rideau. Faut que vous compreniez pourquoi on va souvent être essoufflé. Le moindre pas c'est comme si c'était des sables mouvants. Mais non. Ça y est, on a perdu Pierre, regardez. Quoi? Alors regardez les mains, est-ce que je l'aide ou pas? Ça s'enfonce. Regardez les petites mains qui s'enfoncent. En vrai on dirait un requin, enfin un cachalot. Mais il y a un côté bête sous-marine. Non mais en vrai c'est presque très oppressant. Oh là. C'est hyper oppressant. En vrai ça fait trop peur. On tire le rideau. Donc ça c'est notre mur mitoyen. Pierre, je mets le rideau. Ça ne bouge plus. Ok. On a chacun notre petit appartement là. Chacun 20 000 boules d'appartement. Par contre Pierre, petite règle d'or. Ouais. Parce qu'on voit arriver les... Jamais se viser le visage. Mais non du coup je l'ai reçu. Non, par contre, règle d'or Pierre. On joue pas à celui qui envoie le plus de boules chez l'autre. Ça ce serait pas fair play. Mathématiquement on en a divisé par deux. Je crois que j'en ai deux de plus peut-être. Alors moi c'est sûr j'en ai une de plus. Celle-là.
Ah bah je te la rends, attends. Pierre, c'est quoi le jeu de confort là que tu me donnes vite fait mon matelas d'un lopilo? Alors, la prod vient de nous envoyer toutes les boîtes qu'on va devoir trouver. Tu les as ou pas? Elles sont derrière moi là. Ok, je vais te demander 30 secondes de brassage intensif. Non mais arrête, on va jamais la retrouver. 30 secondes de brassage. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, à fond. À fond là. Bon, c'est bien mélangé? C'est bien mélangé. J'avoue, j'ai pété ça. Non, c'est une blague, tu fais pas ça. Ça fait des bulles. Oh, il est fort. Bah ouais. Donc, le principe, c'est le premier qui trouve une boîte annule celle de l'autre. C'est parti. C'est parti. Attends, est-ce que j'ai vu une boîte? Première boîte pour Verica. Alors, déjà? Je te jure. Pas bien brassé. Oh, j'en ai une. Alors, on s'arrête. Un kit masque et tuba. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais pour plonger, tu peux avoir des superbes images en vrai. Moi j'ai une bouteille d'eau. Oh c'est bien la bouteille d'eau. La prod va nous passer les accessoires. Merci Sophie. Oh oui, ça fait plaisir, bien fraîche et tout. Hyper du temps. Oh là là. Je crois que j'en ai au pied, au niveau du pied j'en ai. Oh putain, elles sont là. Non, tombez pas plus bas les coquines. Pierre, c'est impossible. C'est impossible. Ah j'en ai une. Fini, stop, fais une pause. Vas-y, je fais une pause. C'est quoi? Benjamin. Quoi? Un duvet cool. Mais non! Oui! Est-ce qu'on parle de duvet cool? Vas-y, se le garde. Non, mais... On a la foutre. Allez là! Allez, ça rebrasse. Ça part en brassing. Oh la boîte! Non! Oh la boîte elle! Oh. Attention, surprise. Allez, un truc nul. Un duvet naze. Oui! Oh parfait! Mais comment ça, un duvet naze? Bah pareil que moi, mais naze. C'était un jeu de confort ou un jeu d'humiliation? C'est quoi alors? C'est un rideau. Regardez ce que j'ai moi. Allez, c'est reparti. Oh la boîte elle. La boîte. Eh, comme quoi c'est pas mal ce masque hein. Oh, j'en ai une qui est juste ici. Oh, il va l'avoir en une seconde. J'en ai une qui est juste ici, je la prends juste après. Oh là là. C'est quoi? Il faut que je la fasse lire. Je veux même pas la dire moi-même. Je veux qu'il lise lui-même sa défaite. Voilà. Et vous regardez tous le regard de Pierre Cross. Kit de survie nourriture. Et oui! Et attends, moi j'ai une boîte qui était juste ici. Pile quand t'as dit je l'ai, elle était juste ici. Vas-y. Oh là là, mais Cross, il va se mettre bien! Tiens, Lila, avec plaisir! Mais non, mais du coup. Tu peux lire ça s'il te plaît à voix haute? Vas-y. Une syllabe après l'autre. Un. Ouais. Deuxième syllabe. Mat. La. Tela, c'est comme ça que ça se dit? Ouais, ça se dit comme ça. Matelas gonflable. Ça devient une nuit 5 étoiles là. Est-ce que je peux avoir un matelas gonflable super satisfaisant? Ah, il fait le malin. T'as quoi? Tilili. T'as quoi, je vois pas. T'es trop petit en fait. Je suis trop petit, mais je suis bien nourri. Oh non, c'est les 3D, c'est mes préférés. Oh! T'as quoi? Le Kinder? Attends, regardez. Hop là. Non. Attention. Non. C'est quoi ce paquet jaune? Hop là. Non. Vas-y, moi je brasse pendant que tu touches tes trucs là. Ah, ça brasse, ça tend. Ah, j'en ai une. Ah non. J'en ai une. Non, le papier il est tombé. Ah mince. Je vais devoir retrouver le papier sans la boîte. Ça devient très très complexe côté Cross. T'es où là? T'es vraiment avec ton tuba toi? Oh oui. T'as quoi? Oh oui. Ah, j'arrive pas à sortir. Ah bah tant pis alors. T'en as une? Ah mais par contre j'ai perdu un poumon. Une bouée ronde. C'est intéressant la bouée ça. Pas dégueu. Oh là là le beau bébé. Allez, ça brasse. Je me noie. Bien fait. Wouah. Mais en fait. Oh non. T'as quoi? Tout. C'est quoi la boule noire? C'est la boule noire. Oh. Oui. T'as quoi? Un oreiller. Non. Cool. Vas-y. Claude Brasseur. Je sors ma tête juste pour sortir des jeux de mots, c'est ridicule. Georges Brassens là. Les trois brasseurs, la brasserie en Belgique. T'en trouves toi? Moi j'ai plus rien. Il en reste plus beaucoup là, Ben. Hein. C'est bon. C'est là? J'en ai un. Le mini bar. C'est-à-dire? Mais je sais pas, il y a un mini bar. Non, mais je viens de ton côté là. Non. J'ai l'apéro et j'ai le mini bar. Oh non. Oh là là. C'est quoi? Oh là là. C'est quoi Ben? Attends, je montre d'abord à les abonnés Titos. Regardez ce que j'ai. J'enlève ici et là, j'ai des gobelets. Ouais. Donc je peux les mettre ici. Que tu peux passer à un pote? Toi t'aimes pas ça? Coca? Ouais. Non, je suis pas fan. Bon bah j'ai rien qui va te plaire. Parce que sinon, il me reste ça. Ricard? Tu sais,
que t'as le Ricard, mais t'as pas encore l'eau, toi. Ricard Coca. Il en reste au moins une, je crois. Oh, Benjamin. Ah, je suis trop fatigué pour rechercher, là. C'est le dernier, je crois. Boîte de Lego à jeter à ton adversaire. C'est quoi ce truc de salopard cruel, là? Je suis en chaussette, là. Oh oui, regarde, elle arrive pile au bon moment. Oh oui, allez, envoyez la boîte. Parfait, ça. Attends, Pierre, ouais. je peux te parler avant? Ouais, bien sûr. J'ai des cacahuètes, un paquet de cacahuètes qui ouais. ne demandent qu'à être savourées. T'as un Ricard aussi. Tu me promets de jamais en jeter et t'as le Ricard. Genre promettre quoi. Promettre. Je te promets de jamais lancer le Lego si jamais tu me donnes le Ricard avec un gobelet. D'accord. Je me suis sauvé quelques douleurs aux pieds, les pires douleurs humaines. Attends, il y a un truc que je me souviens plus, Ben, en vrai. Quoi? Quand tu croises les doigts pendant une promesse. C'est une blague. C'est annulé, en fait. T'as pas fait ça, t'es pas ce genre de diable, en fait. T'es pas ce genre de Satan, en fait. Allez, santé, mon pote. Non, je te jure, ça fait une douleur. Ah. C'est quoi, ça? T'inquiète. Bon, est-ce qu'on peut au moins trinquer l'apéro en guise de paix? Santé. Santé. Moi, le matelas, il peut vraiment me sauver. Si j'arrive à me mettre dessus, ce qui est dur, hein, je pense que je peux dormir. J'ai une bouée et des chips 3D. Depuis quand c'est des éléments de survie? Moi aussi, j'ai une bouée, mais j'ai pas gagné la tienne. La tienne est gonflable ou pas? Non. Elle peut pas s'élargir? Si. Ah, d'accord. Si, avec le temps, ouais. T'as remarqué que les boules se mettent un peu partout comme de l'eau, en fait. C'est chiant, en plus. C'est surtout quand t'as un jean que t'as un peu mal mis. Effectivement, elle est toujours à gauche, elle est toujours obligée d'aller chercher. Non, je parle des boules de plastique. Et cette bouée là qui me sert à quoi en fait? Mais en vrai, ça peut t'aider à dormir, hein, je pense. Hein. Je sais comment je vais m'y prendre. C'est bon. Moi, si j'arrive à me mettre sur ça, je pense que je gagne la nuit là. Moi, je suis chill. Ah! Oh là, qu'est-ce qui vient de se passer? Un claquage! Ah! Ah, je suis en train d'être blessé! Mais va-t'en! Les 3D! Tiens, allez. Mais donc, en vrai, sans mauvais jeu de mots, parce que là, ça commence à être très gamin, très vulgaire, il y a bien des caméras. Ouais. On filme. Ouais. C'est donc un film de boules. C'est un film de boules, mais oui. Bon, maintenant, il s'agit de dormir, Ben. Bon, bah, bonne nuit. T'as pété ou c'est ton matelas? À cette heure-ci, peu t'importe. C'est tout? Bonne nuit et tu dors, toi? Bah, tu fais on fasse quoi? Galérer 2 heures à trouver le sommeil, non? Ben, avant de dormir. Mmh. Faut éteindre la lumière, hein. Vas-y, moi, tu sais quoi? Je vais tenter d'éteindre ma lumière pour être vraiment bien. Tant pis, je me referai mon confort. On baisse. Voilà. Et voilà. Donc là, je baisse la lumière. Je vous dis bonne nuit, les petits. Et puis, je vais passer l'une des pires nuits de ma vie. Bonne nuit, les petits. Et j'ai toujours rêvé de te dire je t'aime, Benjamin. T'as dit quoi? Attends, j'entends pas parce que le drap, il est hyper fort en acoustique. Aïe! Lego? Lego! Oui! Oh oui! Quel bonheur! Je vous embarque dans mon seau. Bonne nuit les petits. En vrai, de vrai, je tente un saut incroyable, Benjamin. Oh oui! Oh là là! Oh le confort incroyable! Non, exagère pas non plus. Tu sais que c'est ici que Niska a écrit Réseau? Bouloulou? Bouloulou! Je suis un personnage de Fort Boyard qui dort ici. La boule? Ouais. Je suis un personnage de DBZ qui s'est marié ici. Bulma? Oui. Je suis un chien qui pourrait dormir ici. Un bulldog. Mais c'est Polo. Putain, j'ai faim. J'ai envie de boulotter. Alright. Moi, je nettoierais bien mon t-shirt. J'ai trop de bouloche. Alright. Et si on avait fait ça dans une ville des Émirats Arabes Unis? Ce sera à Abu Dhabi. Bien sûr. Je commence un peu à fatiguer. Tu crois que c'est comme le sable? Tu vas retrouver des boules dans tes chaussures dans 3 jours encore. Si tu fais l'amour dans les boules, t'en as un peu dans la raie ou pas? Tu peux perdre un enfant là-dedans? Ouais. Est-ce qu'on arrive même à perdre un adulte? Imagine là, il y a un cambrioleur qui arrive cette nuit. Non mais là, il fait ce qu'il veut de nous. Il peut même voler et prendre un peu de temps pour se préparer à manger qu'on fera rien. En vrai, il peut me voler mes chaussettes, il veut. Je crois que le dernier truc duquel il veut s'approcher, c'est bien tes chaussettes. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, Pierre. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, Pierre. Bonne nuit, Ben. Avec plaisir. À demain matin. À demain. Bonne nuit, petit. Ugh.
je me réveille comme une petite moule. Oh là là. Allez. Allez, putain. C'est cerné par les boules en fait. Et je suis enfoncé là moi. Mais moi je suis boulé là, j'ai les boules. J'ai rêvé que de Dragibus quoi en gros. Et moi je suis très très enfoncé là. Je crois que je me suis enfoncé dans la nuit, mais en vrai, j'ai pas passé une... Non, bon là je suis en train de m'enfoncer, mais j'ai pas passé une mauvaise nuit. C'était moins compliqué non que les autres. Ouais, ça va, mais bon, c'est pas... Oula, oula, ouh, soufou. Ah, bon, là, d'accord. Ben, en vrai, je suis en train d'essayer de me lever, mais je vois tout vert, là. Ça me fait paniquer. Qu'est-ce qui... Tu veux t'hydrater avec des taches vertes? Non, ça va, t'inquiète. Voilà. Bon, moi, ce que j'aime quand je me lève le matin, c'est faire un petit plongeon. Ah ouais? À tout de suite. Il est où, il est où? Attends, mais on peut retirer le bras, là. T'es où? Ah, c'est le lever qui est compliqué en fait. Et je m'enfonce, Ben. Yeah. Yeah. Wow. Bonjour. Oh. Wow. Bonjour Pierre. On l'a fait, Ben. We did it. En vrai, drôle de métier. Tu veux un petit déj? Je vais nous préparer ça. Ah ouais. Ne bouge pas. Petit verre d'eau. De toute façon, il n'y a plus de Ricard. Je te pose ça là. Merci, ouais, juste ici. Un bon petit bonjour. Moi, j'ai eu un moment où j'ai eu un peu froid. Mais en vrai, il suffit de se remettre un peu sous les boules. On a toujours chaud à ce moment-là. On a toujours chaud. Ça, je crois que c'est le meilleur truc de confort que j'ai gagné. Toi, c'était quoi ton meilleur confort de la nuit? Le matelas, ça m'a aidé à me stabiliser dans les boules. Après, ça s'enfonçait quand même pas mal au niveau des fesses. Comme s'il y avait une sorte de poids. Ça, j'ai pas compris. En fait, c'est Newton. Hein. C'est la gravité, en fait. C'est vraiment... Bon bah c'est une fin de vidéo Benjamin. Oui. On l'a fait. On vous propose une figure en fin de vidéo. C'est des trucs à pas refaire chez vous parce que nous en fait on est des cascadeurs professionnels. Regardez ce qui va se passer. Il va sauter à travers ce cercle de feu, ce donut de la mort. Fin de vidéo, abonnez-vous. Tous ceux qui s'abonnent, on leur envoie une boule. Et... Attention. Oh là là, c'est tellement mal fait. C'est très peu impressionnant.